monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce stream de Canard PC. Oula, oh là, ma manche disparaît dans le néant cosmique. c'est très étrange à regarder. Mais d'accord, admettons. Bienvenue, que vous nous regardiez de France, de Belgique, de Suisse, du Canada, de tous ces pays, on ne sait pas, il y en a tellement. C'est incroyable. Aujourd'hui, du coup, on va se retrouver pour un petit Hitman 3. Il est pas très fort ton micro par rapport à la boucle de début. Ah, mais... Alors, est-ce que... Parce qu'on avait baissé le son de la boucle de début, mais peut-être que j'ai pas assez baissé. Est-ce que le... Attends, déjà, je vais peut-être rapprocher un peu le micro. Est-ce que c'est mon micro qui est pas fort ou est-ce que c'est la boucle de début qui est forte ? Apparemment, c'est le micro et... Ok. Bah, je baisserai peut-être plus la boucle de début. Vous savez quoi ? Je vais remettre la boucle d'attente 5 secondes, le temps de baisser le volume. Et la boucle est forte. Ok, je vais la rebaisser et revenir. Désolé pour l'inconvénient. On arrive tout de suite. Voilà, j'ai fait reperdre 4 décibels à la boucle. Ça devrait, là, dans les dernières secondes, ça a dû être mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était mieux, ouais, ok. Nickel, et bah, bonjour du coup, avec le bon volume, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui du coup, Hitman 3, ça fait longtemps que j'ai pas stream un petit Hitman, alors que vous savez que je suis une Hitman zouze, on peut le dire. Je sais que j'avais streamé du mode ninja à un moment, il y a longtemps, et depuis, je sais pas si je l'avais beaucoup streamé, par exemple, sur les niveaux de Hitman 3. Je sais que je l'avais fait sur le niveau de Hitman 1. Donc, on va voir, voilà, un point and click, exactement. Voilà. Depuis, la bonne nouvelle, c'est que j'ai débloqué la vraie tenue ninja qu'on peut débloquer en faisant des niveaux à la con sur le tout dernier niveau de Hitman 3 qui est le pire. Bon, bref, je me suis vraiment donné pour vous. Attendez, il y a mon thé qui a assez infusé. Je le désinfuse. La boucherie mafieuse, si tu veux. Il n'y a que ça sonne. Merci pour ton 36e mois d'abo, dont 36 mois consécutifs. Incroyable, merci beaucoup. Stream assez ancien pour que les méchants aient le temps de se repeupler. Voilà, c'est ça, il faut attendre. Voilà, malheureusement, vous savez qu'il y a un vrai skin Hitman de ninja en noir, etc., qui fonctionne, mais je ne sais pas pourquoi, IO Interactive a décidé de le rendre disponible uniquement sur le niveau de Hokkaido. Et sur les autres niveaux, on doit se taper donc ce costume de ninja tout blanc. Bon, ok, pourquoi pas. C'est un peu moins immersif, mais ça fait déjà un peu plus le job que, disons, des costards, quoi. Voilà. Sinon, j'ai aussi débloqué le ninja fluo. Bon, je n'ai pas compris. Le concept ninja avec des néons. Je ne comprends pas, voilà. Ou le ninja mendiant, voilà, avec un masque des films Batman de Schumacher, là. Et une tenue grise un peu dégueulasse. Donc, finalement, l'ombre blanche, c'est quand même pas mal. Hein. Avec un loup, voilà, exactement, c'est vrai qu'on appelle ça comme ça. Non, on appelle ça différemment, c'est pas un loup, c'est un nom un peu italien, je sais plus, ça va me revenir peut-être. Les masques comme ça qui se collent juste autour des yeux. Ça finit par O, je crois, je sais plus. Donc, l'ombre blanche, et évidemment, on va... Donc, le concept du Hitman Ninja, c'est qu'on ne fait... que on n'utilise que des outils, on ne fait que des kills avec des armes qui correspondent un peu
au ninja. Alors bon, on a un passe-partout, je pense que c'est un peu trop high-tech déjà, mais c'est pas grave, en plus il est en bois, vous voyez, donc ça compense. Et on a évidemment des shurikens, qui sont très très utiles, qui arrivent en paquet de 3 comme ça. Et on va devoir aller chercher en premier, du coup, notre katana, ça va être notre premier objectif. C'est-à-dire, ça finit en haut, oh, oui, c'est Zatnarozid Down, comme on dit. On va devoir aller chercher notre katana parce que sinon on va galérer, mais on peut pas commencer avec le katana, donc malheureusement. Et on est à Berlin, dans la discothèque qui est dans une centrale nucléaire abandonnée. Vous me dites si le mixage audio est bon. Si on entend bien le pays qui le feu qui crépite. Et oui, Berlin, l'autre pays des ninjas, absolument. Alors, attendez, j'ai un problème avec ma souris. Ça commence, les excuses. Hein. Voilà, c'est bon. Par où il faut aller? Ah oui, on va prendre le tuyau en plomb. Tuyau en plomb, c'est roleplay. Ça va, on a le droit. C'est vrai que j'aurais dû mettre le ninja fluo, du coup, pour la discothèque. Peut-être même que ce serait complètement passé. Alors, je me demande si ce déguisement, il est pas hostile. Non, je crois pas. Je crois pas. C'est-à-dire que tout le monde, même si j'ai pas d'armes, les gens qui me voient pètent un plomb, mais je crois pas. C'est que le blanc est très salissant. Bah oui, surtout avec le rouge du sang. Alors, faut juste que je... Ok. Le katana est là. Oh là là, on va galérer à le choper. Et donc, voilà, le concept du roleplay ninja, c'est qu'on essaye de faire efficace, de ne pas laisser de témoins, de ne pas être vu. Bon, là, il y avait un mec, c'est raté, déjà. Ça commence bien. Mais voilà, et on n'hésite pas à tuer, alors que vous savez que d'ordinaire, moi, je déteste utiliser la violence dans Hitman. Mais là, faut pas hésiter. Ah bah non, on va pas galérer parce que j'ai ouvert le raccourci là. C'est génial. Voilà, donc on est dans les vestiaires et on récupère direct le katana blanc qui est assorti avec le costume. Et là, une fois qu'on a le katana, on est bien. D'être vachement proche de l'agent 47 là, en termes de point de vue de caméra. Bizarre. Et là, maintenant que j'ai un katana dans le dos, par contre, ça y est, tout le monde veut. Enfin, tout le monde va paniquer en me voyant. Donc, le but de ce niveau, c'est que dans la discothèque, répartie à plusieurs endroits, il y a des tueurs. D'une agence dissidente, bon bref, on s'en fiche complètement parce que le lore de Hitman est complètement nul. Mais tout ça pour dire qu'il y a des agents de sécurité en gros qui sont en fait des tueurs à gages concurrents et il faut les tuer. Ils sont un peu partout et il y en a un notamment sur le toit, ou deux sur le toit même. Et on va essayer d'aller les tuer maintenant. Je suis en difficulté maître, donc il n'y a qu'une seule sauvegarde par niveau, il n'y a pas de... Il y a beaucoup plus de gardes, beaucoup plus de caméras, on meurt beaucoup plus vite, les ennemis apparemment sont plus malins, ce genre de choses. Bon là vous voyez par exemple le mec qui contrôle l'accès à l'étage. Je regarde vite fait, mais non, il n'y a pas de... Ah si. Ah non. C'était escalader vers le... Ah si. Voilà. J'allais dire on peut le buter, mais en fait on peut passer à côté, et donc direct on accède au toit. Voilà, donc là, voilà. C'est pas grave. Sauf que son pote va arriver, et lui aussi. D'accord. Là, on a deux ennemis qui vont arriver en même temps. On se débarrasser d'un qui est ma cible avec un petit shuriken. Et l'autre, on le laisse monter. Toujours le bug des escaliers, on peut pas utiliser d'armes dans les escaliers. Pas grave.
Voilà. Déjà une cible en moins. L'infiltration commence. Bah écoutez, voilà. Ils ont des belles mitraillettes, hein. Des cibles. Et vous voyez, déguisement abîmé, donc dans ce mode, nous on s'en fout parce que on ne veut pas changer de notre tenue de ninja, mais dans ce mode, si on tue quelqu'un, dans ce mode de difficulté maître, si on tue quelqu'un violemment, et ben ça fait des taches sur son costume et donc on peut pas le voler. Pas se déguiser. Bon là lui, est-ce qu'on va être obligé de le tuer? Oui. L'avantage du katana c'est qu'il tue très très vite. Et je pense qu'on va aller tout de suite faire les ennemis qui sont dans ce bâtiment là, qui est pas la discothèque, mais qui est le QG d'un gang de bikers qui s'appelle les Ragnarok Disciples. Et je me suis dit, j'ai jamais fait ce niveau en mode ninja et je me suis dit que ça collerait plutôt bien et j'avoue c'est plutôt cool le côté industriel rouillé et ninja qui se balade. Ah, on peut faire ça ? Ah bah oui. Bah voilà, une cible en moins. J'avais jamais fait ça. On balance le sac de ciment sur sa tête. Moi, mon principal ennemi, mon principal problème, c'est les caméras. Parce que dans les niveaux de Hitman 3, je connais mal l'emplacement des caméras. Et en plus, en mode difficulté maître, ils en rajoutent. Donc, compliqué. Les graphes sont super cool. Ah ouais, bah ouais, carrément, regarde ça. Non, mais de toute façon, le level design de les décors de tous les Hitman, c'est une leçon. Hein. C'est incroyable. Enfin, pas que le level design, mais juste le design des décors. Ce qui est encore autre chose, dans Mendoza, le niveau dans une propriété viticole en Argentine, c'est délirant, c'est un truc d'ultra riche avec des vieilles cuves rouillées qui servent de décor, c'est vraiment magnifique. Le jeu est beau, ouais. Et en plus, il est assez fluide en stream, là, j'ai l'impression, depuis que j'ai changé ma config. Là, on a notre troisième ennemi qui va être là, mais il n'est pas seul. Alors, faut un peu se méfier. Ils sont trois, vous voyez. 1, 2, 3. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. J'ouvre la porte pour que le son passe, parce que si la porte se referme, il ne m'entend pas. Je mets le tuyau pour que il vienne nous voir et je pense que le plus simple ce sera de lui envoyer un shuriken. J'ai le temps de boire du thé. Voilà. Hello. Voilà. N'oublie pas surtout de récupérer les shurikens. J'en ai que 3, c'est important. L'autre mec apparemment est loin. C'est parti. Oh shit. Oh merde. Qui m'a entendu. Voilà, ça c'est le... Merde. Deuxième. Il y a son pote qui arrive. Je sais pas ce qu'il y a là. Oh là là, il arrive. Merde, il arrive par là. Il allait me surprendre en train de traîner le ninja. Et on est bon. Voilà. Si je voulais, là, il y a un très très beau fusil de chasse en bois, là. On peut s'en servir pour tuer des gens qui sont dans la cour de la discothèque. Bon, théoriquement, on pourrait s'en servir pour tuer deux agents avec. Mais ce serait pas très roleplay. C'est du bon shuriken. Ah bah, il faut dire aussi que l'agent shuriken. L'agent 47 a une force vraiment exceptionnelle. On en parle souvent dans les jeux Hitman. Il y a plein de trucs autour de ça. Bah, le dernier, c'est que. Le dernier en date étant que dans le niveau des pirates, là, qui vient d'arriver, Ambrose Island.
Il... Hop, il vient par là. Il met des gifles aux gens dans un concours de gifles qui est assez jouissif. Et personne n'est capable de résister. Bon, il y a encore deux bikers là. Faut encore que j'en tue combien? 5. J'en ai tué 3. Donc après, soit je vais dans la discothèque, mais la discothèque, énormément de témoins, etc. Donc c'est compliqué. Merci Desmob pour l'abo, merci beaucoup. Soit on va tuer ceux qui sont juste là, mais potentiellement beaucoup de témoins aussi, et des témoins du pire, de la pire sorte, des témoins armés. Avec des caméras. C'est vrai que je peux passer par là. C'est une porte, ça. Il se passe quoi si je fais un truc comme ça? J'attire qui, là? Hop, j'attire machin. Ok. Bon, on va se débarrasser de lui, hein, pourquoi pas. Toujours un de moins. Le problème, c'est que là, je vois pas. Ah. Il y a un mec en face. Lui, il va revenir. Mais ils vont être que deux, du coup. Ça, c'est bien. Ok, ils vont être que deux dans la pièce. Donc, je peux me débarrasser de lui. Normalement, personne n'a entendu. Et je récupère ma cible. Merde. Qui voit le corps tout de suite. Voilà. Et il y a trois personnes qui ont entendu, donc c'est le moment où je décide de m'en aller. Je peux pas partir tout de suite parce qu'il y a la caméra. Voilà. Ok, ok. Get your asses in gear, man. How hard can it be? Donc là, par contre, un cadavre a été trouvé. Je crois qu'on va se barrer d'ici parce que les bikers en alerte avec des fusils à pompe, ça me plaît pas trop. On va aller plutôt dans les jardins, ils seront pas en alerte et on chopera la dernière cible. Est-ce que je peux... Non, je peux pas. Je peux pas passer par là. Ah, mais y'en a un là! Ah, bah vous me direz, c'est tentant. C'est très tentant. Ah, oui, c'est beaucoup trop tentant même. Hey, what the hell? Merde, caméra! Ça va, on m'a pas vu. Ok, bon. Dernière cible, c'est bon. Maintenant, il faut juste survivre. Il y a un bug. Oh là là. Vous pouvez pas tuer les gens à travers la table basse, apparemment. Ouais, j'étais peut-être un peu greedy sur la fin, là. Un tout petit peu. Mais non, mais en fait, le problème, c'est que on pouvait pas. J'ai pas pu tuer les gens à travers la table basse. Ce qui m'a retardé un peu. Mais finalement, tout est bien qui finit bien. Voilà. Comme en vrai, finalement, c'est vrai que les tables basses permettent d'éviter les assassinats, c'est bien connu. Bah écoutez, c'était assez rapide, mais au final, on a quand même tué 5 cibles sans se faire spotter. Donc, Ouf, ça
fait mal tourner là aussi. Pour ce... pour partir de ce niveau, c'est un peu chiant. Parce qu'on voit pas les trous dans la grille en fait. Oh sérieux. Parce que j'arrive pas à voir où est-ce que la grille est. C'est là? Ah, c'est là. Ça compte comme une alerte, le statut pour chasser? Oui. Oui, oui. Normalement, oui. Mais là, on cherche pas à pas avoir d'alerte, on cherche à pas avoir de témoins. Ce qui est un peu raté, parce que il y a eu des témoins. Sur le tout dernier truc, là. Mais attendez, par où il faut partir? C'est pas du tout par là. Mais c'est pas très grave, on a fait nos 5 cibles au katana. Je fais un immense tour. Ah, c'est là. Ok. Ah, on part en vélo. Oh là là, quel roleplay ninja incroyable. Ils avaient déjà des vélos à l'époque, et oui. L'agent 47 qui part sur son petit vélo. Quand on partait le bon matin, quand on allait sur les chemins. En bicyclette. Et bah, très très bien. Un témoin mort, est-il encore un témoin? Non, ça ne compte plus, comme témoin. Ton blanc n'est pas une tache de sang, effectivement. Et ben voilà. On a même débloqué des trucs, dis donc. Ok. Alors, pour la destination suivante... Je vous propose soit j'avais des trucs en tête en plus. Alors, on va faire un petit sondage. Alors, on va faire soit Miami, soit... tout ça, c'est compliqué. Soit l'île de Sgale, qui est donc l'île dans l'Atlantique, comme ceci. Soit... Soit la banque. C'est juste l'intérieur d'une banque à New York, ça peut être rigolo. Soit Dartmoor, le manoir de Dartmoor. Le manoir anglais, très old money. C'est parti, le sondage est parti. Ce qui ferait plaisir aux streamers? Bah, je ne sais pas. Les 4 sont bien. Miami, il y a du soleil, donc c'est cool, mais il y a beaucoup de monde, c'est potentiellement compliqué. Hildesgale, niveau quasiment entièrement hostile. Intéressant, petite ambiance de tempête. New York, dans cette banque, là, c'est assez marrant aussi. Ça ira vite, pour le coup, je pense. Et Dartmoor, donc ce manoir de vieux bourges britanniques, plutôt chouette. Et je crois que le peuple veut du Miami. Hein. Bon, on fera les autres après, de toute façon. On va faire du Miami. Miami, comment on va faire? On prend les shurikos. On pourrait prendre aussi un tonfa d'Okinawa. Si on avait assez d'emplacement, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. D'accord.
On a déjà tué tout le monde, oui, MZ. On a déjà fait Berlin, mais c'est pas grave. C'est bien une idée fixe. La banque, je l'ai streamé plusieurs fois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci du rappel. Je me souvenais pas très bien. Je me souviens plus, en fait, de ce que j'ai fait hors ligne, moi. Parce que j'ai, je sais pas, j'ai plusieurs centaines d'heures dans ce jeu. Et de ce que j'ai fait en stream. On va tenter comme ça, mais je crois que ce niveau, on démarre, c'est comme Paris, on démarre au milieu d'une foule, donc potentiellement, c'est pas possible de faire le ninja tout de suite. On va voir. Ça nous permet de savoir si ce costume est hostile ou pas. Ou si c'est bon, les gens peuvent nous voir en ninja tranquille. Ouais, vous voyez. Non, c'est bon, ça passe. Ok, bon, on va aller vite se mettre à l'abri. Dans le parking. Donc Miami, il y a le parc des expos où il faut tuer une cible et après dans le stand de course. Enfin bref, il y a une course de F1 qui est en cours. Allez, on récupère le katana ici et on passe en mode ninja. C'est parti. Ouh. Ça a failli commencer très. Bon, écoutez monsieur, faut pas rester là. Hein. Ici, il faut déverrouiller avec une carte d'accès, c'est pas possible, mais est-ce qu'il y a un truc à l'arrière? Bon, bien sûr, il faut pas rester là non plus. Voilà, désolé pour les mascottes. Je le tire un peu parce que j'ai peur qu'il dépasse dans le couloir, voilà. Et ici, non, faut aussi une carte d'accès, merde. Ah non, c'est pas un... Alors ne commencez pas. C'est pas un ninja psychopathe, c'est un ninja efficace. S'il faut tuer des gens pour avancer, bah, il tue des gens, hein. C'est pas grave. Hein. Alors là, le truc, c'est d'éliminer celui-là sans faire de bruit, sinon les deux autres vont appliquer. Il y a pas mal de même façons de faire. C'est une des façons. Et on récupère la carte. Non. Pas le flingue. La carte. Les ninjas sont des assassins, absolument. Et vous savez quel est le credo des assassins, hein. On l'a vu dans la dernière émission. Hop, on en profite pour détruire les caméras de sécurité. Flinguer, c'est tricher. Non, c'est pas ça, le credo. Si rien n'est vrai, tout est permis. Évidemment. Incroyable. Vraie phrase. Alors là, du coup, on peut monter depuis le parking jusque dans l'étage du parc des expos, où on est actuellement. Et il y a une cible qui est, voilà, qui est là-bas. Mais le problème, c'est qu'elle a plein de gardes du corps, donc ça va être très compliqué. C'est vrai que ça pourrait être la bonne catchphrase de l'île de la Tentation aussi, ouais. Là, ce sont des toilettes. Bon, on va pouvoir se refaire un petit brin de toilette. You here. Vous voyez, alors lui, il est suivi par deux gardes. Non, trois gardes. Oh là là. Non, il y a deux gardes et il y en a un qui fait sa ronde. Remarquez, il y a quatre personnes à tuer là. Je peux le faire, hein. Ça ne me fait pas peur. Ah non, il y a deux gardes. Il a... Ok, c'est un garde qui le suit et deux qui font leur ronde. Ok. Par là, il se passe quoi? Ouais, je pourrais clean cette pièce. Parce qu'il va passer là après. Ouais, on va faire ça. Faut vite les planquer. Je sais pas ce que je fais, hein. Je fais pas jamais ça dans ce niveau, donc je tente des trucs.
Mais oui, Nigurumi, de l'infiltration, absolument. Il n'y a aucun endroit pour planquer les corps, en fait, ici. Je peux les planquer en les... Pas sûr que ce sera très... très planqué, mais bon. Ah oui, si. Même. Attendez, juste prendre le dernier. Prendre l'arme pour pas qu'elle soit... vue. Alors là, il ne fait que des runs pacifistes. Mais c'est vrai, en plus. Non, mais c'est vrai, parce que... en live, faire les runs où on est, où personne nous voit, où on change pas de déguisement et tout, c'est bien, mais ça prend 3 heures à chaque fois. Oh là, les 3 arrivent. Et... just in time. Et l'arme, on va la, s'en débarrasser, je sais pas, ici. Voilà. Bon, et normalement, j'ai ma cible qui va arriver à un moment. Ah, mais je pourrais monter là? Il se passe quoi là-haut? Ah, mais c'est nickel d'ici. On visite, hein. Ah, oh, c'est sympa ici. Ah, oh, c'est sympa. Du coup, je vais rester là tranquille. Normalement, ma cible va visiter la terrasse. Heureusement, le sang ouais, ne dérange personne hein, dans ce jeu. C'est cosy, ouais. Mais vous avez vu, en parlant de cosy et de Hitman, vous avez vu, j'espère, la vidéo qui de bande-annonce du mode freelancer qui va arriver dans Hitman 3 en janvier. Il y a un mode alternatif pour jouer au jeu, ça je voulais en parler avec vous, ça tombe bien, où on va avoir un QG personnalisable, c'est une espèce de villa dans les montagnes, villa, vous voyez, un high-tech avec du verre partout, etc. Et de là, donc on pourra faire des trucs là-bas, s'entraîner au tir, avoir notre équipement, etc. Et de là, on lancera des missions un peu aléatoires dans tous les décors des 3 Hitman. Et avec ça, on gagnera des crédits qui permettront d'acheter du nouvel équipement à emmener dans les futures missions, etc. Donc, hyper cool. Et en vrai, j'ai l'impression que ça aurait dû être le mode normal des Hitman plutôt que cette espèce de mode histoire un peu chelou, là. Donc, j'ai vraiment hâte. Mais attendez, je peux... Dites-moi, je peux repasser, là? Ah oui, quand même. Ah oui, non, c'était peut-être un peu... un peu... voilà. Ah, il ne va pas sur la terrasse? J'ai fait ça pour rien? Bon. Dans ce cas. Bonjour. Mais non. Et il y a les deux qui arrivent là. Merde. Robert Knox down. Now for the heir to the Kronstadt Empire. Ouais. Allez, dis-moi que les deux passent. Merde. Oh shit. Come in. Non, ça, il l'entend pas. Si, il entend. Ah, mais ses potes sont déjà là. Ah non, c'est bon. Les deux là. J'aimerais bien me débarrasser des deux là, ce qui permettrait de. Ne plus avoir la petite icône recherche en permanence. Oh bah, écoutez. On va y aller. Ils se sont séparés. C'est leur problème. Voilà, et maintenant, plus de témoins, plus de problèmes. Voilà. Les petits VFX maison. Très bien. Ça, c'était pour la première cible. C'est la
à quel étage ici? Ah, le garage. Voilà, pour atteindre la suite, ça va être un peu galère, mais... C'est vraiment le... On est vraiment en public, quoi. On va traverser déjà la course, là. Je vais pas passer loin. Oh non, on va... Tiens, pas me chercher. Alors c'est pas des innocents, c'est des témoins déjà. C'est quoi là? Ah ouais, c'est le parc des expos. Pour traverser tout ça, franchement... C'est un escalier là? Ah ouais. Bon, je vais galérer là. Hein. On va se faire une petite sauvegarde au cas où. On a droit à une seule sauvegarde. On la fait maintenant. Mais je vais décider de passer dans un autre endroit. Ça fait longtemps que j'ai pas fait Miami et ça se voit. Là, je suis coincé ici. Et ici, ah, mais je suis bête. Ok. On va passer. Yes. Bon, on aurait pu passer là plus facilement, mais c'est pas grave. Cette zone, faut se méfier, c'est très ouvert, mais il y a pas mal de flics et de grilles transparentes. Ah, voilà, on est bien. Ah ouais, il y a un corps qui a été trouvé dans la cave. Ouais, c'est intéressant, it's final lap. Ah mais non, je suis pas prêt là pour la fin de la course. Je suis pas prêt du tout. Je suis dans le bâtiment où les pilotes vont venir après la course, mais... Putain, vache. Oh là là, il y a tous les corps qui sont trouvés les uns après les autres. Okay. Très bien. Autant pour me repérer à 200 mètres, il faut un peu de temps, autant que si tu... Transporte un cadavre tout de suite. Les gens te zieutent à 1 km quoi. 47, the race is over. Sierra will be coming off the track anytime now. Putain. Okay, is that real? Shit, that is real. Ah, il y a, parce qu'il y avait une arme. Bon, écoutez, vous m'avez saoulé. Voilà. Et toi aussi. Pour le fusil à pompe, est-ce que c'est une arme de ninja traditionnelle? Je pense pas. Il y a vraiment quelqu'un qui trouve ici? Ok, génial. Non, bon, monsieur, il faut pas rester là. Hein. Voilà. Et regardez, lui, je le tue pas. Il m'a pas vu. Bon, c'est super tout ça.
Est-ce que ça me rapproche de mon objectif? Pas du tout. Merci Xerfo pour l'abo, merci beaucoup. 34 mois d'abo. Trop bien. Aïe 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 aïe. Vraiment, je sais pas où planquer les cadavres. Ah mais elle est pas loin là, hein, ma cible. Ah, elle est si près et pourtant si loin. Parce qu'il y a un mec juste là. Ah! Je n'aime pas ça. Et puis après, je sais plus ce qu'elle fait. Elle se barre, je crois qu'elle va dans les endroits où j'étais justement tout à l'heure. Donc ça, c'est l'accès normal au gradin. Ah ouais. Faudrait que j'accède à ce bâtiment-là, mais... Ça va être galéré, hein. Je vais galérer. Un ninja un peu irascible. Ninja irascible, ça ferait un très très bon pseudo, je trouve. Bon, je vais essayer d'accéder au... Oh putain, c'est pile le moment où là... Oh là 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 là. Le pire truc. C'est bon, il n'y a pas encore eu de coup de feu de tirer. Ah. Ouais, alors. C'était vraiment le pire moment pour y aller. Il y a un mec en costume de dinosaure qui nous voit tout de suite. Bien. Au moins, je sais qu'il ne faut pas aller dans le bâtiment... où je suis allé buter tout le monde là, c'est plutôt l'autre bâtiment, le bâtiment où elle ira après la course. Donc ça je retiens. C'est un pélican? Ah peut-être. Pas très résistant en balle ce ninja, non. Hein, en difficulté maître, on prend des dégâts très beaucoup. Et certains costumes protègent plus que d'autres. Mais malheureusement, le costume ninja apparemment n'est pas par balle. Hein. Ok, donc c'est ce bâtiment-là qu'il faudrait que j'infiltre. Et bah l'idéal, c'est que pour une bonne infiltration, je veux dire, c'est de buter tout le monde. Mais là, malheureusement, comme ça communique avec l'étage inférieur, si je commence à buter tout le monde, les gens vont s'énerver, vous savez comment sont les gens, hein. Ils supportent pas qu'on tue des gens comme ça. Par contre, si on arrive à le choper, attention, est-ce que je vais arriver à trigger? Oui. Voilà, par contre, vite, l'arme. Voilà, parce que sinon les gens voient. Hop. Est-ce que je le tue? Bon, allez. C'est vraiment pour la forme. Super. Mais sauf que maintenant je peux plus le bouger. Sauf si je jette des trucs. Qu'est-ce que je pourrais jeter? Un pied de biche. Ah. Mouvement ici. Merde. Oh merde. Ça c'est bien ça. Ah oui. Yes. Ça c'est top. Merde. Ça, c'est moins top. Te plante pas, il y a quelqu'un qui vient de dire. C'est un peu drôle. Allez, ne lance pas l'alerte, viens juste chercher le flingue. Voilà. Voilà, et toi aussi on te chope. Ok. Est-ce que la course est déjà finie ou pas? Non, je pense pas. Ok, donc maintenant, on planque les cadavres. Et ils sont pas tués, là. Hein. J'en ai tué aucun. Ah si, j'en ai peut-être tué un. J'en ai tué presque aucun, disons.
Merde, j'aurais dû récupérer plutôt cela que celui que j'ai vraiment tué. Voilà. Selon l'endroit où on récupère les corps, on peut voilà, récupérer différents membres. Donc ça peut aider pour vraiment les tuck in le plus possible. Genre là, la main qui dépasse, je me mets juste au-dessus. Et je fais prendre. Voilà. Et du coup, hop, vraiment. Bon. Pas parfait, mais. Ok, donc là, la course est finie. Et machine va venir ici. J'ai récupéré des trucs à lancer, on sait jamais. Je pourrais empoisonner. Ah ouais, le poison, c'est une arme de ninja ou pas? Merci, Huge Lucas. Merci beaucoup pour l'abo. Elle a une plaque dans la main pour brouiller les pistes. C'est un suicide, monsieur. Le poison, c'est une arme de ninja. Ouais, bah j'aurais dû en prendre. Voilà, j'en ai pas. Mais normalement, ma cible va venir. Hein. Et elle va venir sans garde du corps, bien sûr. Puisqu'on est dans un endroit complètement... sous contrôle. Ah, mais est-ce qu'elle vient à l'étage ou pas? On va voir. Surtout si tu regardes tes cibles dans les yeux alors que le poison agit. C'est clair, c'est clair. Ah. Oh, elle est toute seule. Quoi? Ah, elle est pas contente. Okay. Qu'est-ce que... Pourquoi il y a une témoin, là? Bon. Bonjour. Bah oui, bah désolé, mais voilà, c'était pas prévu. Et bah voilà. Oula. Ah, alors ça c'est complètement random, il y a un mec qui était dans un autre bâtiment qui s'est mis en alerte et qui vient. Okay, super. Voilà. C'est bon, on peut... Ah non, parce que maintenant il y a machine qui a entendu. Anyone copy? Someone's doing stuff they shouldn't. I don't like it. Voilà, ne rentre pas. Ah, et il y a encore machine qui a entendu. Bah, c'est bien, elle va aller chercher tous les gardes un par un. Ah, ça peut être une bonne technique hein, pour vider un niveau. Elle appelle un garde, elle revient se mettre en position, comme ça elle entend tous les gardes mourir un par un. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à fermer la porte derrière le garde avant de... Et bah... C'est pas gagné. Oh là 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 là... Non mais... Je vais attendre que la porte se referme. Plus possible. Voilà. C'était bon? On peut travailler complètement tranquillement maintenant? Regardez ce que vous avez fait, hein? C'est pas beau ça. Ah. Bon, allez. On se casse. Allez, parce qu'il faut encore s'exfiltrer maintenant.
une tragique partie de Twister, exactement. Merci Vasquez pour l'abo, merci beaucoup. Batman, les IA sont pas là pour être intelligentes, elles sont là pour être prévisibles. Mais exactement. Et dans tous les jeux d'infiltration, c'est comme ça. Les gens qui se plaignent d'IA qui ne sont pas assez perceptives, pas assez intelligentes dans les jeux d'infiltration, dans Dishonored, etc., ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, parce que une IA perceptive, c'est très très chiant. Genre là, évidemment qu'il pourrait me voir dépasser depuis le muret, mais est-ce que ça ferait un meilleur jeu? Je ne pense pas. Par contre, les deux là, je sais pas comment m'en dépêtrer, ils sont juste devant la sortie. Alors je pourrais juste courir et aller à la sortie, c'est pas très élégant. Parce qu'il y a le garde là-bas. Ouais, on va tenter un truc. Oh oui, ça marche. Génial. Ah bah j'en demandais pas tant, mais ok. Et on part, vraie infiltration, encore une fois, Roleplay Ninja, en égout. Et voilà. Je pensais que ce serait plus difficile Miami en mode ninja. Mais bon, quand on connaît bien les niveaux, c'est vrai que ça aide. Ça aide beaucoup. Je donne envie de réinstaller Hitman 3. Eh oui! Eh oui! Merci Mastata pour l'abo, merci beaucoup. Eh bah, très bien! Quoi c'est qu'on va faire après? Dartmoor, vous étiez pas chaud. Mendoza, c'est super beau, mais je crois que je l'ai streamé la dernière fois en Ninja, justement. Dubaï, compliqué, c'est que un intérieur. New York, je l'ai fait. Hildur's Gale, du coup, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je voulais faire le yacht aussi de la base de la SIA. Mais j'ai regardé tout à l'heure. Vous savez, ce yacht là qui est en fait en carton peint. Parce que c'est pour entraîner l'agent 47. Hyper, hyper chouette. Mais dans un vieux silo. Enfin, voilà, en termes de trouvailles visuelles pour les décors, c'est incroyable. Mais on peut pas embarquer de costumes, d'équipements, etc. On peut juste, on a juste l'équipement de base, donc c'est pas très ninja. Il y a combien de maps? Bah vu que ça réunit Hitman 3, ça réunit les maps de Hitman 3, enfin 1, 2 et 3. Il y en a, je sais pas, je dirais 20, une vingtaine. Donc ça va être Hildur's Gale. Hein. Donc une île comme ça dans l'Atlantique Nord, au milieu d'une tempête, où du coup on est... Ah ouais, on pourrait commencer dans le donjon pour changer. Où on est du coup au milieu d'un rassemblement d'Illuminati et de leur garde, donc évidemment très très létal. Ah oui, mais non, ça va dépendre de où est-ce que je peux retirer mon... Où est-ce que je peux choper ma... La citerne, c'est quoi? Mon katana. Parce que vous savez que la première mission, c'est déjà de récupérer le katana. Alors, je sais pas... Ça, c'est un des défauts du jeu. Ils te disent, oui, ce sera dans la citerne. Je sais pas où c'est, honnêtement. Donc, on va commencer comme ça, puis on va regarder dans la... On va regarder si on démarre loin ou pas, puis on prendra peut-être autre chose.
Ben, je peux pas le poison parce que on est limité dans ce qu'on emmène, mais je pourrais en ramasser dans la pendant la mission. Après, techniquement, je pourrais prendre la dague. Comment elle s'appelle? Je sais plus. Qui est une dague qui contient du poison. Donc, quand même, respect. Mais. C'est quoi ça? Valise. Oh, c'est là-bas la citerne! Oh non, mais c'est quoi ce truc? Ah, c'est tout en bas de. Oh non. Non, non, désolé. C'est très cool de commencer dans le donjon. Mais on va regarder c'est quoi les autres points de récupération quand même. Non, donjon c'est bien. Il y avait citerne, il y avait salon des architectes, je pense qu'on peut. En fait, on peut le faire parce qu'on est juste. On démarre juste à côté. Voilà, c'est la dague de l'amande noire, je crois. C'est ça. Qui est une arme de corps à corps et qui contient du poison. Extrêmement dans son manche, donc extrêmement utile dans les challenges, vous pouvez emporter qu'un seul truc, etc. Et ben là, vous avez deux en un. Mais c'est quand même moins fun que le katana. Alors évidemment, dans les katanas, moi je préfère le Masamune, qui est le katana un peu original, mais originel plutôt. On peut aussi avoir une énorme claymore, mais bah ça, peut-être que je vous montrerai à la fin de ce niveau, on pourra peut-être faire un roleplay, une variante du roleplay ninja. J'ai déjà streamé, mais je vous montrerai. Le katana blanc, donjon, crochet classique, etc. Ok, c'est parti. Réception directe de mon canard PC, quelle magnifique couverture, tu as vu? Oui, il est très beau notre numéro de novembre avec The Callisto Protocol en couverture. Attendez, j'ai un message. Tout va bien. Et du coup, normalement. Voilà, c'est juste en face. Deux niveaux en dessous, quand même. Mais juste en face, tout de même. Alors, on peut faire tomber des gargouilles sur des gens. Bon. Je vais télescope. Et quand même, ce niveau. Là, pour le coup, c'est le level design plutôt, mais il est hyper bien agencé, où le fait que voilà, on peut grimper de plus en plus haut et voir comme ça tous les étages en terrasse en dessous qui s'étendent, et on peut aller partout hein, dans ce niveau. C'est vraiment partout là où se pose le regard. C'est vraiment très cool. Bref, donc récupérer mon katana. Normalement, je peux là. Ah non, c'est là. Alors, dans ce niveau, on peut normalement s'accrocher un peu partout. Donc, il faut s'accrocher. il faut bien être attentif. Il y a plein d'endroits qu'on peut passer comme ça. Et va avoir notre première victime. Attention. Ah! Voilà, c'était évidemment complètement prévu, j'avais parfaitement timé. Et là, notre deuxième victime. Pourquoi? Parce que. Bah parce que je l'aime pas lui. Voilà. Non, parce que il a mauvaise haleine. Voilà. Et donc ça je supporte pas. On est au bon étage ou pas pour le. Oui, on est au bon étage. Donc normalement, la mallette est juste à droite après le pont. Alors faut se méfier, des fois il y a des gens qui empruntent le pont, mais là, on est bon. Ah non! Ok, donc là on peut pas. Voilà, donc quand je vous disais il y a des gens qui empruntent le pont, il y a par exemple cette personne qu'il ne faut pas tuer. C'est pour ça qu'il est en bleu. C'est assez rigolo comme concept. J'aime pas, j'avoue, moi je l'aurais tué juste pour le challenge, évidemment, pas le plaisir. C'est une blague.
C'est une blague, il y a une caméra ici. X. Mais... Non, 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 je suis passé. Alors, mon katana est juste de l'autre côté. Il est dans cette, derrière cette porte-là. Mais il y a deux personnes fixes. Purée, c'est pas vrai. Je peux pas casser la caméra parce qu'il faut un flingue. Et j'en ai pas. Et machin, là, ne va pas bouger. Alors, on va faire un... Putain, j'ai pas le choix. On va faire un... Okay. Ah, c'est machin. Bah, comme quoi, il fallait vraiment le... s'en occuper. Ok. Ok, ok. Je pense qu'on pouvait passer devant le rideau sans être repéré. Le code du ninja prévoit quoi dans cette situation? De charger la partie. Là, c'est, la... c'est ce qu'ils disent dans les plus vieux manuels hein, du 16e siècle. Disent F5. Enfin, F9, plutôt, oh là là. Ok, on va recommencer ça. Ouais, le concept des innocents qui sont en fait des gardes à la solde des Illuminati qui nous tirent dessus à vue. Bon, la présomption d'innocence, certes, mais tout de même. Et bah d'ailleurs, un de mes regrets, bah, parce que je vous parlais du mode freelancer qui arrive en janvier, où donc ce sera comme on sera comme un vrai tueur à gages, on aura notre propre base à customiser, notre équipement qu'on pourra acheter, etc. Comment ça, corps trouvé? Mais non, c'est une blague? Lui? Ça, c'est un bug. C'est un bug parce que... Non, mais attendez. Voilà. Alors ça, c'est parole plate, mais c'est pour corriger un bug. Donc, c'est ok. Non, parce que normalement, quand on élimine des gens comme ça avec des actions contextuelles, les corps sont automatiquement cachés. Et donc là, il y a eu un souci. Mais c'est bon, on est venu à bout du problème. Qu'est-ce que je vous disais juste avant? Donc déjà on va se mettre là pour attraper le Constant quand il va passer. Oui, le mode freelancer là où on va jouer, on va partir dans des missions de tueur à gage, après on va revenir dans notre base, etc. Et bah encore une fois, comme dans tous les Hitman, et vraiment ils ont un problème avec ça, les missions aléatoires qu'on va choper, c'est encore pour tuer des marchands d'armes, des criminels de guerre, etc. Ce qui est... Enfin, pourquoi pas. Mais, je veux dire, assumez que vous faites un jeu de tueur à gages, et bah donnez-nous des cibles qui sont pas des gens où vraiment vous avez marqué au stabilo « Bon, cette personne a fait du mal dans sa vie, donc c'est ok de la tuer. » Parce que, non seulement il y a un côté justement non assumé qui est pour le moins étrange. Et en plus, ce que ça sous-entend est bizarre. C'est-à-dire... Parce que du coup, tu me dis, ah bah tuer des gens c'est pas bien, mais bon, eux c'est des criminels donc c'est ok. Non, alors là il y a eu des raccourcis éthiques qui ont été faits. Voilà, ils méritent. Ouais, tout ça pour dire, vous emmerdez pas, faites-nous tuer des gens vertueux, pourquoi pas, on est un tueur à gage. Et je renverse énormément de thé sur mon bureau pendant que je parle, c'est dire à quel point je suis ému. Putain la vache, j'ai renversé vraiment, vraiment beaucoup. Oh non, il y a partout. Mais parce que voilà, ce sujet me touche. Et voilà, donc je ne sais plus ce que je fais. Au moins, il n'y a pas sur le clavier. Au moins, il n'y a pas sur le clavier. Attendez, parce qu'il faut que j'aille chercher un rouleau de sopalin. Hein. Oh,
soi-même. J'ai vraiment renversé vraiment énormément. Oui, quelqu'un dit, mais dans telle mission, c'est plutôt réaliste qu'on tue cette personne parce que et qu'il y a un contrat sur sa tête. Ouais, carrément, mais c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, en fait. Et moi, ça me va qu'on tue des ordures, etc. Mais bon, un peu de diversité, ce serait bien, parce que là... Non, mais c'est pas un vrai problème du jeu, hein, mais... bah voilà, quand on y joue beaucoup, que chaque mission commence par... Bon, écoute-moi bien, tueur à gage agent 47, tu vas tuer quelqu'un, mais attention, hein, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup de mal dans sa vie, donc hein, ne me cancel pas sur Twitter. Ah, non, mais ça va, c'est un peu relou à la longue, un peu redondant, voilà. J'arrive. Oh là là, tout ce bon thé gâché. Je pense que c'est trop clivant pour les joueurs de tuer des innocents. Oui. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est ma nouvelle théière là, parce que j'ai cassé l'ancienne. Je suis très triste. Et ma nouvelle, elle est nulle parce que le couvercle s'en va. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le. Putain, je viens de le refaire. Oh. J'en ai marre. Non, mais ça va, il y a trois gouttes. Mais. Bon, bah je retire le couvercle. Voilà. Oh là là! Un contrat sur Agbu pour l'agent 47, parce qu'il a trop critiqué le bureau de la mauvaise personne. Non, il a critiqué le bureau de l'agent 47. Je prélève, voilà, c'est ça. J'espère que ce sera running gag. J'espère pas, parce que là, pour une fois, j'en ai pas mis dans mon clavier. Mais moi j'ai déjà cassé des claviers comme ça avec du thé. La théière se venge, oui, ça quelque part. Ok. On attend que machine passe. Voilà. Et ah mais en fait, est-ce que j'ai pas été un peu bête? Est-ce qu'on peut pas juste... Je vous ai dit, sur ce niveau... Oh, ne sois pas idiot. Sur ce niveau, on peut vraiment escalader un peu partout. Ça, c'est très ninja. Hein. Franchement, roleplay ninja de ouf. Non, c'est pas ça que je voulais faire du tout. Il me fatigue. C'est pas passer à travers que je veux, c'est passer de l'autre côté. Ok, on ne peut pas. Très bien, très bien. Très bien, ne t'énerve pas. Pourquoi je voudrais aller par là, non? Je peux aller par là. Ça s'est remis bien en rechargeant, de quoi? Tu vomis. Je vais... Là, en fait, je me dis, j'essaie de faire tout le tour de ce bâtiment. Pour... Ah non, je vais pas pouvoir. Pour cette histoire de caméra, là. Non, mais en fait... Attendez, ça dépend qui est attiré si je fais ça. C'est un domestique. Enfin, un serveur. Ok. Mais il vient d'où? Parce que moi, c'est ce serveur là-bas, là, au fond, qui me gêne. On attend bien que la porte se referme. Bond looked at the fuse box. He
pas très utile ce que j'ai fait, mais bon. Ah, il y en a un autre. Ok, bah je vais peut-être pouvoir tous les attirer les uns après les autres. Par contre, j'arrive pas du tout à bien cacher ce cadavre. Regarde bien vers ta droite, voilà. Donc la porte se referme. Peut-être que je vais finir par avoir le domestique qui me supporte. Maintenant je suis coincé parce qu'ils vont tous rappliquer. Et s'ils se retournent après, ils vont voir le... Oui, il y a une clé là. Ah oui, c'est lui. Oh yes. Trop bien. Bah du coup, je vais le laisser remettre l'électricité. Et après, je le... l'étranglerai. DIY. En tout bien, tout honneur. It's a lifestyle. Now, stay on, okay? Voilà. Pourquoi recherche? Ah non, c'est bon. On doit mettre strat piégé ours dans le commando. Ok, bon bah ça c'est bien. Et par contre, le vrai problème c'était la caméra, donc on verra bien. Ah, il est de contract, hein, c'est clair, Oscar. Puis il a de la force dans les bras. Hein. Alors. Toujours cette caméra ici. Mais. Faire ça. Voilà. Je ne suis pas vu du tout. Et. Yes! Ça passe! Oh là 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 là! Oula! Non, il y a un garde qui m'a entendu. Ah! Enfin! Ah! Enfin, mon bras m'est rendu en entier. J'ai mon katana et une petite sauvegarde pour la forme. Bien! Ah! Bah, on est mieux là! Ok, mes deux cibles dans ce bâtiment en plus. Qu'il faudrait que... Ah, elle va monter l'escalier, ce serait tellement facile. Mais le problème, c'est qu'il y a la caméra. Donc là, il y a 1000 témoins à peu près. Prends la Morora. L'arme du ninja. Oula, fuck. Oh, sérieusement ? Laisse-moi refermer cette porte. Ok, back to business. Mais non, pas back to business. C'est bon. Ah, merci. Ah. You know that Kronstadt designer in charge of the brain upload program? Sure. What did he do? I don't know. La porte s'est refermée juste avant que le shuriken. Voilà, faut venir maintenant. Yup. 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 Ah non, je referme la porte. Oh god. Oh merde. Promis, je voulais pas faire ça, mais j'avais le shuriken à la main. Donc l'agent 47, il en faut pas plus, je lui ai dit... ça me flingue à chaque fois que ça arrive, ça. Agent 47. Classique agent 47. Quoi, vous ne vouliez pas que je le poignarde à mort extrêmement violemment? Ah non, j'espère que mes shurikens sont... Voilà, je croyais qu'ils allaient être coincés. Wow. What's going on?
pour elle, on va pas prendre le shuriken à la main du coup. Regardez, j'étais sur ma barre espace. Is anyone there? Non, personne n'est là. Bah, je suis derrière la porte, donc elle peut pas me voir avant de partir de toute façon. Eh oh! Mais... mais quelle toupée! Excuse me? Anybody there? Hello? Voilà. That's gonna... voilà, c'est quand même beaucoup mieux qu'avec le shuriken. Bien. T'es moins gênant là. Il y a une porte là. Mmh. On est sur un petit salon privatif. Ça va être compliqué de choper les deux... mes deux cibles. Là, une caméra. Bien. Où est-ce que je peux détruire les enregistrements? Voilà. Je crois que c'est... voilà, dans le poste de sécurité qui est là. Mais alors, pour y accéder... je sais accéder à ça... et à ça. Ouais, bah peut-être qu'il faut juste que je refasse en sens inverse. Le problème, c'est que la salle des pillards, là, je suis pas hyper chaud pour la vider. Mais en même temps, faire tout le tour, là, c'est pas possible. Donc, enfin, à moins que... on va aller voir. Je te calme. Bah. Moi que je puisse m'agripper à ça? Oh oui! Ah mais c'est bien ça. Sauf qu'il y a des gardes en face qui vont carrément me voir. On reste cool. Ah, mais si j'avais su qu'on pourrait faire tout le tour, là, franchement. Bon, c'est tranquille. Il y a juste 400 témoins en bas, mais... ça va. Là, c'est un petit placard. Oh là là, mais... on peut vraiment aller jusqu'au bout. Ah non, vous voyez le spot là, qui est bien placé pour... pile pour nous bloquer. Je pense. Hein. Ah, les salauds. Puis ici, il y a des gens. On va voir ce que ça donne. Ah, putain, il y a une caméra. Là, pour accéder... il faut une carte d'accès que je n'ai pas... est-ce que vous pensez que elle aurait une carte d'accès? Si on l'attire dans le débarras à côté, on peut lui voler? On voit rien ici. C'est là qu'il planque l'aspirateur. Si on fait un truc comme ça. Voilà, elle m'entend. Allez, viens. Oh my god. Allez, viens, okay. Là. Everything's cool. Non, mais... c'est refermé juste au même moment. Voilà. Maintenant, tu viens. Tu ne fais pas d'histoire. Is that those bloody idiots messing around again? Regardez, je la tue même pas.
Et elle n'a pas de carte d'accès. Donc ça ne servait à rien. Bah bravo, bravo. Carte d'accès. Je peux faire quoi là-dessus? J'attends que la caméra... Voilà. Hein? Ah, je peux faire ça. Ok. Isn't someone else supposed to be... Ouais, mais lui, il aura pas la, la carte d'accès non plus. Mmh. Ah... C'est fâcheux. Je réfléchis. Peut-être que si je clear le... Parce que j'ai pas encore tué de garde. Donc peut-être que c'est normal qu'ils aient pas eu de carte d'accès. Mais si je clear le toit qui est en face là, peut-être que là il y aura des gardes avec des cartes d'accès. Ah oui, il y a l'air d'avoir un pont. Vous me direz, je peux aussi... Mais oui, pourquoi je m'embête avec ça? Je peux aussi ressortir maintenant que j'ai mon katana. Cette caméra là. OK. On va aller directement à l'étage et puis on va tuer les Illuminati. Hein. Quand je ne sais pas quoi faire, en général, je fais ça. Je tue les Illuminati. C'est un bon principe de vie, je trouve. Ah non, parce qu'il y a une caméra juste devant. Voilà, c'est ça. Non, mais je recolle les morceaux. C'est pour ça que je peux pas faire ça. Putain, mais... Ok. Alors, du coup, on va revoir de l'autre côté si on peut passer plus facilement. Ouais, il y a peut-être moyen. Là, là, là. Parce que là, donc, il y a deux gardes au minimum. Trois gardes, pardon. Il y a une porte, donc si je tue tout le monde, potentiellement on ne m'entendra pas. Je pourrais pas cacher les corps, par contre. Quoique. En fait, ça dépend si... Ok, la target redescend. Après, il y avait un garde qui faisait les... qui faisait la... une patrouille. Donc, j'ai pas envie de les tuer si il y a un garde qui revient. Là, je regarde la minimap en bas à gauche. J'ai pas rêvé, il y avait un garde en plus à un moment. That is Zoe Washington, chairwoman of the Ark Society, professional treasure hunter and Providence operative. Quite non. A mouthful. Hmm.
Donc là, j'attends en fait de voir s'il y a des témoins potentiels avant d'entrer et de tuer les trois. Je pense que je peux tuer les trois sans qu'ils tirent un coup de feu. Mais pas si je suis interrompu par cette cible-là qui bouge. Il manque quand même dans Hitman la feature de qui a été ajoutée dans Shadow Tactics et Desperados 3 d'avancer le temps. Et là, un petit bouton avance rapide, ce serait quand même le top du confort, je trouve. Voilà. Et donc, c'est son garde du corps, en fait, qui vient. Ok. Elle vient. Son garde du corps vient avec elle. Ça fait déjà plus de gens à tuer. That is Sophia Washington, chairwoman of the Ark Society, professional treasure hunter and Providence operative. Quite the resume. Anyway, you boys take it easy. Là, ça en fait 4 à tuer sans qu'ils tirent un coup de feu. Ça devient compliqué parce qu'ils sont pas rapprochés. S'ils étaient alignés, ça irait, mais... Donc voilà, j'attends qu'elle parte. Et son garde du corps aussi. Et on le fait. Mais il faudra pas chômer. Ok, c'est parti. Alors, comment on peut s'en occuper? Il y a lui qui va venir près du canapé, je crois. Non. Ok. Alors, dans ce cas, on va tenter un truc un peu complexe, qui est de cet ordre-là. Putain, what? Pas du tout. Oh, let him get away. Roger. Ah. Si, ça passe. Ok. Maintenant, on peut passer direct ici. Ah, il y a une caméra là! Mais non. On s'en fout. Ah, le bug. Ah, j'ai horreur de ça. Vous voyez le mec orange là, au fond, qui m'a repéré à travers le mur. C'est un bug qui est présent depuis très longtemps dans Hitman. Des fois, les gardes te repèrent à travers les murs. Alors qu'ils soient mis en alerte, c'est une chose. Ça, c'est chiant. Et du coup, la caméra, elle est où? Parce que du coup, ça se passait bien. Elle est là, ok. Ah, mais là... compliqué de faire ça, hein. Ouais. Bon. Faut charger, parce que de toute façon, on n'avait rien fait. Mais le shuriken que je balance à côté, c'était assez collector. Bon, c'est pas grave, on va le refaire très très vite. Ah non, c'est là. C'est pas cette porte-là. Ouais, je suis pas le seul à avoir à travers les murs. Non, mais c'est chiant qu'ils aient jamais réussi à corriger ça. Ça arrive quand même assez fréquemment. Elle arrive là, ok. On va lui laisser le temps. Je peux même gagner du temps en venant direct ici, je pense. Voilà. Peut-être que je pourrais tous me les faire pendant qu'elle est là, hein. Mais...
Avec le Silver Baller, ça poserait pas de problème. Le pistolet silencieux, 5 gardes à la suite, c'est pas un souci. Mais à l'arme blanche. Heads up, gang. I've got beef with a certain obnoxious coal baron, and if push comes to shove, I may need to dish out some pain. Soap bars and towels, you know the drill. Anyway, catch your boys later. Okay, j'ai une autre idée pour m'occuper de la caméra là. Ça va être mieux, ça va être mieux, vous allez voir. Mais déjà, j'attends que Chien se regroupe. Voilà. Donc cette fois. Ah, les corps. Ouais. Comment ça on trouve les corps là-bas? Oh bah écoutez. Ah l'animation longue! Oh là. Ok. Mais comment ça les corps là-bas ont été trouvés? Par une œuf qui est. Deux étages plus bas? N'importe quoi. Parfois il est des bizarreries ce jeu hein, quand même. Ah, qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi lui il est en alerte? Vous voyez? Ah non, c'est bon. J'ai eu un peu peur. Mais. Ok. C'est génial. Alors le, on peut pas lancer un shuriken sur le chandelier, malheureusement ça ne marchera pas. Qui récupère les armes. Et moi ce que je voudrais c'est... Bon, c'est quoi, quitte à ce qu'il soit déjà en alerte. Hein. Voilà, on balance ça et il arrive vraiment un étage en dessous. Comment ça, affrontement, combat? C'est une blague? Ah, c'est lui. Merde, j'ai oublié une mitrailleuse. Une mitraillette. Hop! C'est bon, on arrive. Command, you copy? I'm at the location now, and I have nothing to report. Over. Affirmative. Et donc là, on a la cible qui va revenir avec son garde du corps, et normalement, j'espère avoir le temps de les tuer tous les deux. Oh là là. C'est chiant. Ah! Ok, maintenant c'est du lockdown du coup. Non. Ah, ce bug de l'alerte là avec la meuf qui voit le cadavre à 1 km parce qu'il y a un doigt qui dépasse d'une corniche et qu'on n'a pas eu juste avant. Hein, donc c'est vraiment un truc random quand on a chargé la partie. Allez, dites-moi que l'alerte dure pas là et que vous vous calmez. Il faut se méfier des miroirs maintenant parce que les miroirs fonctionnent, donc on se voit dedans et les ennemis peuvent nous voir aussi si on apparaît derrière eux comme ça, si on creep derrière eux dans un miroir, ils peuvent nous voir et être en alerte du coup, ce qui est plutôt chouette. Salut Coup de Bambou, salut Little.
Ah, yes. Et elle arrive. On va voir comment on procède. Voilà, elle est suivie par son garde du corps. Il faut juste pas qu'elle pète un plomb en voyant qu'il n'y a plus personne et qu'elle se barre tout de suite. Garde du corps, j'attends que la porte se ferme. Dites-moi que la porte se ferme tout de suite. Allez, yes. Bonjour. Bonjour. Et ben voilà. One target down. Nice work, 47. Next up, Zoe Washington. Et j'ai une carte d'accès du coup. Haha. Trigger. Must be a kill switch. I bet this would make the constant come quiet. Finesse et subtilité, bah oui, mais surtout ninjatitude. Alors, il faut bien cacher les cadavres parce que là, du coup, on va se livrer à une deuxième opération. Alors déjà, on va prendre le temps de regarder. Ouais, c'est ça. Qui va être tout simplement d'attirer. Ouais, la porte se referme, évidemment. Ouais, je peux. Donc, on ouvre. On lance. Oh là là, qui a bien pu lancer ça? Je ne sais pas. Voilà. Il voit l'arme. Donc il va venir la ramasser. On ferme. Et on ferme. Et c'est un peu sale. Chose du coup. Une grenade aveuglante, une deuxième carte, le bus de cow-boy, une mitraillette. On va laisser là. Et on refait la même. On ouvre. On lance. Oh bah, qu'est-ce qui s'est passé? Les animations du sable sont très stylées. Ouais. En règle générale, les animations de corps à corps sont cool, les animations d'attaque silencieuse au corps à corps sont très cool. Et celles du corps à corps sont vraiment, vraiment stylées. Ouais. Et rapide. Parce que les animations changent en fait en vitesse selon les armes. Et c'est pour ça que le katana est très efficace, parce que l'animation notamment de face quand on tue quelqu'un est très rapide. Alors que par exemple avec un couteau, c'est plus long, donc les armes ont des avantages différents. Donc là, on a vidé la salle de la sécurité et on va aller casser l'enregistrement des caméras pour désactiver les caméras, mais comme il y a une caméra qui le regarde, il faut qu'on casse la caméra avant, et donc on va déroger un peu le temps d'une balle à notre règle, parce que on joue un ninja certes, mais on joue aussi un ninja intelligent qui donc ne va pas se faire repérer juste pour ne pas tirer, appuyer sur une détente, et qui va quand même détruire la caméra. On va imaginer que le jeu aurait dû permettre lancer un shuriken sur une caméra et de la désactiver. Ce n'est pas possible, on va imaginer qu'on a fait ça. Donc un tir au silencieux. Bien. Donc, il y a un œuf de Fabergé là. Ouais, un petit œuf de Fabergé qui traîne. Il y en a 25 dans le monde. Mais voilà, il y en a un. Mais ils aiment bien en mettre, ils en ont codé plusieurs. Ils en ont modélisé plusieurs et du coup ils aiment bien les en mettre dans les niveaux. Bon, on le prend. Voilà. 47. Olivia is trying to locate Mr. Sinclair's cell number. See if we can't contact him directly. Très bien, les autres Fabergé, ils sont tous différents. Donc je vous conseille d'aller regarder la liste et de voir un peu tous les œufs différents qui ont été faits. Il y en a des très nuls, c'est assez marrant, et il y en a des vraiment très très beaux. Des NFT avant l'heure, oui, il y a un peu de ça.
Oh, le vent qui souffle là quand on est au-dessus de la falaise. Et maintenant qu'on a détruit la caméra, on peut monter vers peut-être potentiellement notre deuxième cible et surtout vers le roleplay alternatif que je vais vous montrer. Voilà, donc là la caméra nous permet, désactiver nous permet d'avancer. Ici c'est quoi? C'est une... Alors là on est vraiment dans le sein des seins, il y a les Illuminati, les chefs Illuminati dans un salon. Et puis on arrive au sommet de... de la tour. Nothing? I'll keep on calling Sinclair until you have a visual. Bonjour. Au revoir. C'était mal. Ah. Je sais. Ne me demandez pas pourquoi son pote s'est mis en alerte. Non, c'est bon. Okay. Ça va peut-être être plus tendu que prévu. Non, ça va. L'idée, encore une fois, est que personne ne... n'ait le temps de tirer un coup de feu, sinon... il y a une alerte. Mais d'où tu vois quelqu'un, là, à travers le mur? Et des fois, ce jeu... hein. Voilà. Et dans 30 secondes, le temps de cacher les corps, je vous montre le roleplay alternatif qu'on peut faire. Mais très très beau passage hein, de ce niveau, ce cube de verre et d'acier au sommet de la tour en ruine, c'est bluffant. Salut Manticore, tout en finesse, absolument. Tout en ninjaïtude, c'est pas ma faute. Écoutez, moi je ne fais que respecter l'histoire de notre monde, et si l'histoire c'est que les ninjas tuaient des gens, eh bien excusez-moi d'être fidèle à la réalité historique et de tuer des gens, voilà, tout simplement. Et donc, le roleplay... Je me demande s'il y a un truc à faire avec notre victime en la mettant dans la Vierge de Fer. Le roleplay alternatif qu'on peut faire, c'est... voilà. De passer du roleplay ninja au roleplay chevalier en armure. Et... ah ben là, il y a un truc à faire. Non. J'ai l'impression qu'il y a un truc à faire parce que l'objet est highlighté là en jaune. Et de prendre... Alors, on a le choix. On a des masses d'armes. Très belles. On a les haches de guerre. La hache du sapeur là, qui est très 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 belle. Voilà. Mais on a surtout... la Claymore. Et là, on est dans un genre de RP assez différent. Avec une armure qui est complètement... qui est très très pare-balles, pour le coup.
Donc, attendez, je vais quand même emmener mon... mon katana dans le dos. Voilà. Je vais prendre la clé mort. Oh, quoique le katana, là, c'est plus RPE. Je vais prendre plutôt la hache. Voilà. Attendez. Non, je peux pas la cacher. La hache de guerre. Plus. Et la massue non plus. Oh là là. Ok, je peux mettre... Dans le dos, je peux mettre que mon katana. Très bien, très bien. Et donc là, on peut faire quelque chose d'un peu différent. Voilà. Bon, c'est des Illuminati. Tango is lost. Move, find him. Ah, on peut toujours pas utiliser nos armes. Et bah voilà. Et tout ça sans donner l'alerte, évidemment. Ah si, un peu. Vous voyez le mec en un étage du dessous qui a été témoin du meurtre. Voilà, encore un très beau bug. C'est chiant, hein. Over there, over there. What are you waiting for? Ouais. Ouais, alors là, l'armure est pare-balles, mais pas complètement quand même. Si innocent est écrit en rouge, ça veut dire qu'il était pas vraiment innocent. Voilà, c'est ça. Voilà, le... c'est pas du roleplay ninja, c'est du roleplay chevalier. Bon là, chevalier un peu psychopathe, je pense qu'on a le droit de le dire. Voilà, et sinon, dans les 15 minutes qui restent bah, je vous... à ce stream, bah, je vous propose de refaire Hokkaido, évidemment, une nouvelle fois en ninja. Hokkaido, le ninja originel, hein, puisque on peut, on a le vrai déguisement de ninja en noir, etc. Et on peut prendre le brouilleur. Voilà. Roleplay ninja chevalier et Las Palais. Voilà, là on fait le roleplay Las Palais, vu qu'on a fait les deux autres déjà. Regardez ça quand même. Hokkaido. Dernier niveau de Hitman 1 de 2016 et pff, un bonheur. Dans un hôpital high-tech. Et on démarre du coup avec ce déguisement qui devrait être disponible partout, IO Interactive s'il vous plaît, mais on ne peut y jouer que dans ce niveau. Démarre à côté d'un katana, et du coup, on peut vraiment faire un vrai challenge. Le meilleur niveau des 3 Hitman sans hésiter de Guy Cooper. C'est un peu rude, mais est-ce que je peux les buter ici, je sais jamais. Ah non, je peux pas du tout. Non, c'est parce que j'ai trop tardé au début de la mission, sinon on peut les tuer direct. On va faire ça. Voilà, lui, il y a des chances qu'il se fasse voir comme tout à l'heure, là. Voilà. Meilleur niveau des 3 Hitman, c'est un très bon niveau. C'est un très bon niveau, c'est sûr.
le roleplay ninja est quand même classe. Ah oui, il faut que je vous montre l'easter egg. Ah, il y a une caméra là. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer l'easter egg, on recommencera. En fait, quand on est en déguisement ninja, dans ce niveau, et que... Eh merde, en fait, ils vont me buter. Ah! Je peux pas être tranquille. Oh, il va faire. Bon, ok. Ils veulent vraiment pas que je montre. Ils sont en défense de l'easter egg. Alors que c'est plutôt cool quand même. On va le refaire vite fait. C'est parce qu'il faut que je fasse gaffe à la caméra qui est là. Les gardiens d'easter egg, complètement. Mais là, je la vois même pas, la cam. Ah, d'accord. Ah, bah oui, elle est là. Ah, j'y crois pas. Elle est invisible, là. C'est quoi cette histoire? Oh, merde. Ouais, là. Je pense qu'il va se tirer dessus. Ah non, même pas. Voilà. Oh. Sérieusement. C'est pas facile. Hey, I've got several people counting worms over here. Et c'est vraiment ce que je voulais faire en plus. Ah, c'est mal parti. Le cadavre qui, du coup, une fois sur 100, tombe de la corniche. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que je vais finir par y arriver? Ah, les gens sont fort peu accueillants. Et surtout, ils protègent très très bien les easter eggs. Ah voilà, c'est bon, je vais réussir. Donc que quand on est en déguisement ninja, dans ce niveau... Ah, il y en a d'autres là. On peut monter ici. Voilà, et j'espère survivre quand même. Ah, c'est bon, barré. Voici. On peut monter à ce pilier précisément. Quand on est en déguisement ninja, avec les autres déguisements ça marche pas. Et on peut du coup atteindre... enfin, se balader sur le toit de l'hôpital de Kaido. Et avoir, voilà, ce point de vue imprenable sur l'hôpital. Et avoir quand même un beau point de vue sur le soleil qui se lève. Alors, par contre, c'est pas très utile. À part pour tirer au sniper, parce que de mémoire, on peut pas vraiment rejoindre d'autres espaces. Mais c'est quand même classe, ça donne des petits moments de ninja où on se balade au-dessus du jardin zen comme ça, qui peuvent être assez chouettes. Mais c'est clairement fait pour tirer au sniper. Hein. Voilà. Parce que là... Ah si, on peut aussi... Ouais. Mais bon, ça connecte avec rien, c'est vraiment juste pour le plaisir. Pour le plaisir. Ok, on le recommence sérieusement cette fois. Sans easter egg. Je me suis coincé dans la corniche. Ah, ne tombe pas. Voilà. Bien.
Je disais donc... On peut pas se lâcher là, ok. Ok, on rentre dans l'hôpital. Il y a un monsieur qui va aux toilettes. Et vous voyez, elle va me voir dans le miroir. Ah, oui, c'est rigolo. Bon, c'est pas rigolo pour tout le monde, évidemment, mais... N'importe quoi. Oui, bah voilà, il va me tirer dessus à travers le mur. Probablement. Hey, ça se passe plutôt bien pour l'instant, écoutez. Oh, il est juste couru dans la salle des gardes où ils sont 10 000, c'est pas grave. Merci Dougie Cooper pour l'abo. Ah, en plus. Oui, alors. Come on, do you read? We've got a stone cold killer here. He's killing people. Doublage. Oh shit. Hey you. Please. Wesh. Bloody hell. Heads up people, we have a situation here. C'est un peu mal parti. Je vais pas vous mentir. Ah, ok. Je vais me tirer dessus. Bien. Belle infiltration. Bah écoutez, est-ce qu'il y a des témoins ou pas? Je pose la question. Bon, la réponse est oui, certes. Oh là 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 là. Ah voilà, vous voyez, ils se disent bon, finalement tout va bien. Parce que... Exactement, parce que je me suis extrêmement bien infiltré. Une petite séquence de ramassage des cadavres. Just taking out the trash. Putain, mais la violence. Mec qui dit, oh, c'est comme sortir les poubelles. Bien. Et regardez, zéro témoin, zéro alerte. La touche isuelle, comme on dit. Oh. Ah oui, mais elle m'a vu. Pas ma faute, quand même. Donc, l'idée, c'est de descendre à la cave. Il y a une caméra. Mais... Je sais pas d'où la caméra me voit d'ici, mais... Okay. Hey, stop right now! Hoorah! Harrison, I caught your six. Now flush him out in the open. Attendez, je me rappelais pas qu'il y avait une caméra ici, moi. Ah, il y a une caméra aussi ici. Le ninja horrible qui n'a pas dû. Ah, il y a des gardes là. Oui. Alors, vous me direz, j'aurais dû étudier les cartes, peut-être, avant de me engager comme ninja. Et c'est la vérité, effectivement, ouais. Une ombre parmi les ombres. Terrible, terrible. Non, ce que je vous disais tout à l'heure en mode maître, du coup, il rajoute des caméras et ça peut surprendre. Des gens qui peuvent tirer. Lui. Non, 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 non. Man, I have nothing to report from my current location. Over.
Mais oui, c'est ça que je veux faire, c'est lui lancer mon shuriken comme un pug. Mais... C'est le ninja stagiaire, ok? Il n'a pas fini son entraînement, manifestement. Ah, je te tiens. Voilà. Bon. Ah bah, ça tryhard, là. Vous croyez qu'on est là pour quoi? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est... Peut-être passer de l'autre côté serait plus simple. Ah, mais il y a des deux mecs, là. Et il y a une caméra aussi. Oh là là. C'est infernal, ça. Ah, si j'avais mes silver bowlers. Hein. Ok, c'est pas grave. I'm gonna skin you and use it as a fucking wetsuit this weekend. Et où est-ce qu'il part en plus? Elle vient là finalement. Target spotted. Repeat. Target spotted. Son of a bitch. Christ, somebody. Ça commence encore très très bien. Ah mais personne ne m'a vu, il y a pas de témoin. Moi, s'il y a une alerte, c'est ok. Ils savent qu'il y a un assassin dans les parages. Mais ils ne savent pas qui c'est, ils ne l'ont pas vu. Et donc, comme on disait tout à l'heure, comme disait Tifres, je reste une ombre parmi les ombres. Ah. Sauf quand on me voit, mais... Ah. C'est vrai que je suis caché derrière la fenêtre en verre. Vraiment invisible. Bien. Écoutez, voilà. Ninja, le talent, tout simplement. Voilà. Je sais pas, d'habitude j'y arrive en plus à ce niveau en ninja, parce que je l'ai fait quand même suffisamment de fois depuis 2016. Mais là, je sais pas, ça n'a pas voulu. Ça va, t'es bien que la couleur du costume te donne un peu, petit bonus de discrétion dans l'ombre. Oui, c'est vrai, ça aurait pu être rigolo. Ah là là, bref. Je vais vous laisser ce soir, à 8h, vous avez votre émission Time Attack avec Intello et Noël Malware qui vont commenter une run, je pense, du speedrun de Mario 64. Donc Intello, le célèbre speedrunner, et Noël Malware, le célèbre pas speedrunner. À 20h ce soir, je pense que ce sera fort chouette. Donc je vous laisse revenir, et d'ici là, bah, je vous laisse chez Gamekul, voilà, tout simplement. Allez, j'espère que ce live vous aura plu, merci beaucoup d'avoir suivi ce run de Hitman, moi ça me fait toujours plaisir de restreamer du Hitman, j'attends vraiment en janvier le mode freelancer là, qui va, je pense, relancer complètement l'intérêt pour le jeu, s'il est bien fait. Et puis voilà. Merci encore et à la prochaine. Salut.